Bonjour, je reviens vers vous pour l'ouverture des participations. Donc j'ai reçu trois participations aujourd'hui et comme convenu, on les regarde ensemble. Donc hop, mon assistante a juste ouvert un petit peu l'enveloppe pour me faciliter la tâche. Et on commence. Attendez, j'ai oublié quand même de vous montrer. C'est une enveloppe qui m'a été envoyée par Marilène qui habite entre Nantes et Angers. Bon, c'est pas très précis, mais pour vous donner une idée. Encore quelqu'un qui n'habite pas très très loin de la mer. Bon, alors. Jolie carte. Je pousse l'enveloppe. Comme d'habitude, on regarde déjà la carte, qui est très jolie. On a de la fleur en dentelle. De la fleur, je sais pas, non, je pense que c'est dentelle, j'allais dire crochet, mais non. On a du napperon, du tamponnage, de l'embossage à froid. On a plusieurs, oui, c'est assez joli. Tout est bien fait. Là, on a du cartonnage cranté, j'aime beaucoup. On a un petit mot dedans, fait main. Ah, c'est sympa, le tampon code-barre. Je connaissais pas celui-ci. Alors, il y a un petit mot dedans, je jette un petit coup d'œil. Alors, ah, ça s'appelle une pocket letter. La réalisation, je ne connais pas. Pardon. Bon, je prends 2 petites minutes et je lis la lettre. Voilà, donc j'ai lu la lettre de Marilène et je ne connaissais pas cette réalisation. Donc, bah merci Marilène de me faire découvrir. Je sais ce que c'est qu'un ATC, etc. Ça, c'est une réalisation, c'est une pocket letter. Donc, c'est un groupe d'ATC. Alors, je ne l'avais pas précisé effectivement quand j'avais demandé une création. Je n'avais pas précisé quelle création je voulais. Une ATC, bon, c'est une ATC, c'est une carte. Voilà. Une pocket letter, il y a quand même beaucoup de travail parce que c'est toute une combinaison, pardon, d'ATC qui doivent correspondre les unes avec les autres, etc., etc. Donc, bon, après réflexion, hein, j'ai vu ça avec mon assistante et moi-même qui sommes juges. Et étant donné que ça respecte exactement le thème, on a décidé de le considérer comme dans le thème. Parce que je vais vous montrer, toutes les ATC sont impeccablement réalisées et toutes dans le thème. Donc voilà, j'aurais précisé que je ne voulais pas de groupe d'ATC. Effectivement, j'aurais mis hors thème, mais là, je ne l'ai pas précisé. Donc je ne peux pas mettre Marilène hors thème. De plus, elle a fait un excellent travail. Donc on va quand même regarder tout ça. Donc c'est une pochette avec 9 ATC. Là, elle a fait un joli pompon déco avec un petit bijou de ruban. Et je vais vous montrer. Alors ça, c'est du washi pour pas que les ATC se sauvent. Je vais vous montrer. Voilà. Donc cet ATC-là est très joli. Donc tout a été fait vieilli, il y a du tamponnage derrière, il y a des découpes qui ont été faites en plus, le petit moqueur là est trop mignon. Là, il y a eu du glossy avec des paillettes, de l'embossage à froid, ouais. Tout est très bien fait hein, avec le petit trait là qui a été fait à la main. Donc je ne vous montre pas derrière parce que bah, comme pour toutes les ATC, il y a des infos sur la personne qui me l'a fait. Donc là, il y a essentiellement l'adresse de Marilène, l'adresse mail. Et derrière chaque ATC, il y a des petits cadeaux, hein. Donc, je vous montre à chaque fois et je replace l'ATC dans sa pochette si j'y arrive. Bon, ça m'embête parce que j'y arrive pas. Le scotch s'est défait. Non, c'était de l'autre côté. Oui. Pourquoi je n'y arrive pas? Ça ne veut plus rentrer. Voilà. Donc là, Marilène m'a envoyé de très jolies fleurs. Et celles-ci également. Elles sont très jolies. Merci beaucoup. Alors, je remettrai les petits washi après, parce que sinon je ne vais pas y arriver.
Là, derrière, on a une très jolie dentelle. Alors, toute fine. Ah oui, elle est belle. Elle est jolie. Petite fleur en dentelle. Ben, il y en a beaucoup en plus, hein. Hop. Donc après, pour que l'ATC puisse rentrer, je vais enlever ce qu'il y a derrière. Donc là, on a cette fois-ci avec des étoiles. Toujours le même système derrière. On a de l'embossage à froid, du tamponnage. Tout a été... comment dire? Bien vieilli sur les côtés. Hein, tout a été ombré. Un petit trait sur le côté. Tout est très bien réalisé. Toujours dans le thème vintage. Donc je vais peut-être pas tous les sortir parce que... il y en a pour... enfin, pas tous vous les décrire en détail. Je vais juste vous laisser apprécier. Voilà. Celle-ci, on a de l'horloge. C'est joli, hein. Là, le petit cœur, il est joli. Ici, on a une petite dentelle beige. Oh, des petits pompons. Hop. C'est peut-être les pompons que Marilène a utilisés pour faire ses petites rosaces. Donc la rosace est une création, effectivement. Déjà. Ici, on va avoir le même système avec des petites horloges en quinconce. Et là, on a quoi? Hop. Ah, cool. Donc là, il y a de l'embossage, des petits tampons. Un petit vélo. Une montre à gousset. Un phonographe. Le petit vélo. Des clés. Qui ne sont pas les mêmes. Et voilà. Merci beaucoup pour tous ces petits tamponnages. Hop, je les mets de côté. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, derrière, on a... Ah, un sachet de thé. Bon, mon assistante va me le shipper parce que c'est la seule qui boit du thé. Donc, merci pour elle. Ici, encore une ATC, mais encore différente. Oh, ça, c'est joli. Voilà. On a. Elle est trop mignonne cette petite fleur. On a deux petits pendentifs. Ici. L'ATC. Un pompon, deux pompons que Marilyn a réalisé. Pas des pompons du tout. Je dis des bêtises. Des rosaces. Donc c'est quand même effectivement de la créa. On aurait presque pu les mettre ici. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, deux jolies petites cartes vintage, très jolies. Merci beaucoup, elles sont magnifiques. Et ici... Donc, cette fois-ci, il y a un petit ruban ajouré comme ça, qui est joli comme tout. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est du washi. Eh, mais super idée, par contre, de remettre un peu de washi autour du rhodoïde. J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que c'est sympa, parce que quand on veut offrir un petit bout de washi, et ce washi est magnifique. Il est super beau. Merci beaucoup, parce que je ne l'avais pas du tout. Celui-là aussi est très joli. Merci beaucoup Marilène pour tous ces petits cadeaux. Je ne vais pas le remettre dedans hein, parce que je vais le garder. Hein. Eh bien, ça m'aura permis de voir comment on fait un groupe d'ATC. Qu'on appelait ça une pocket letter. Bah ben voilà, j'apprends des choses. Merci encore. Et je fais un gros bisou à Marilène. Et à vous aussi. Je vous retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Au revoir!